Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une partie d'échecs contre Subayon. Subalon, non, Subayon. D'accord. Si on essayait C5 contre ça, de faire un petit peu comme si c'était une ouverture anglaise. Ah d'accord, lui il fait le double fianchetto. Non, je... Mais vu que j'ai joué G6, c'est un peu débile de jouer B3. Parce que je vais jouer ça et il peut pas jouer son fou ici. Ok. Ça aussi c'est bizarre parce qu'il pourra pas jouer C4. Qui on a payé de fond de la ville ? Alors j'ai envie de sortir un de mes deux cavaliers. Probablement celui-ci. Mais en tout cas, il joue pour contrôler ces cases-là. Est-ce que j'ai envie de jouer ça et ça ? Si je joue B6, est-ce qu'il va me prendre ici? Il va peut-être faire un grand roc. Peut-être qu'il va... peut-être qu'il a envie. Alors, je vais plutôt jouer D6, je pense. Ok, ajouter qu'il ferait un grand roc. Allez, alors... Donc là j'ai pas d'enfilade puisqu'il peut jouer très bien. Il peut très bien jouer F3 ou même ça ou même ça. Cavalier G4. Là ça menace pas grand chose. Je pense que c'est le moment d'envoyer une attaque. Hein. Vu qu'on a fait un roque de couleur opposée. De côté opposé, pardon. De couleur opposée, c'est. Ça c'est normal. Par contre, c'est-à-dire que je lui laisse cette case-là. Et peut-être que si je mets mon fou ici, ça ira. Oui. Try. Yeah, try. Donc oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de partie d'échecs dans cette playlist. Non, je pense pas qu'il ferait ça. Maintenant, j'ai la paire de fous. Parce que bah, j'étais beaucoup occupé par les échecs dans la vraie vie. Bah, parce que... Surtout avec le tournoi de Vendeuvre. Parce que c'est trop fort. Ok, donc il met son cavalier là pour bloquer le pion. J'ai sûrement d'autres options maintenant. Par exemple, si mon cavalier bouge, je peux éventuellement essayer d'attaquer sur la grande diagonale. Si je le mets là, peut-être dans l'idée d'aller là, ça peut être intéressant. Ce cavalier là, il menace rien. Il est sur le bord, il sert juste à bloquer mon pion. Donc oui, avec le tournoi de Vendeuvre, j'ai eu une grosse dose d'échecs intensive et... Right. Et j'ai besoin de faire un peu autre chose après. Molly, stop smoking. En particulier autre chose que des parties. Et finalement, j'ai gagné pas mal de points à Elo. Non. Dans le tournoi de Vendeuvre, même si j'ai fait que 3,5 sur 9, comme j'ai joué que contre des plus forts, je suis passé de 1404 à 1476. Alors, je sais pas, j'ai peut-être envie d'aller là, parce que si j'arrive à échanger le cavalier contre le pion, c'est parfait.
Et comment il peut l'en empêcher? Juste en se repliant, auquel cas j'avance mon pion. Est-ce qu'il peut défendre son cavalier autrement? Il ne peut pas le défendre avec la dame. Puisque le cavalier attaquera la dame. Et là, c'est le fou qui attaque la dame. Donc j'ai l'impression que cavalier B6, ça devrait pouvoir l'embêter. Il va peut-être échanger. Auquel cas, c'est moi qui attaque. Ça, c'est un coup qui empêche cavalier B4, mais... Quand on commence à bouger plusieurs pions qui sont devant le roi, c'est souvent signe que quelque chose ne va pas. Il faut aussi pas que j'oublie pas que mon roi est ici maintenant, il est potentiellement exposé à des échecs. Donc pas pour le moment. Bon, il n'y a plus de fou des cases noires, donc ça va, mais... Là, je pense à faire attention aux fourchettes potentielles. Le jour où la dame pourra arriver sur la diagonale. Que toutes mes pièces soient bien protégées, ou alors que je prenne le temps de le remettre en sécurité en G8. Et si je mets mon fou ici, c'est probablement utile, mais je pense que ça fait plus, ça l'embêtera plus tout de suite. C'est plus immédiat comme menace. Ça pose un problème bien compris tout de suite. Il faut que je joue un peu plus vite puisqu'on n'est pas en 15-10 comme j'ai l'habitude, on est en 8 plus 9. Merci. Donc bien sûr, s'il prend, je reprends. Pré-move. Ah bah tu restes au chez lui. Je suis fortement descendu là, 1919. Ça fait longtemps, mais je pense que c'est parce que je me suis mis à jouer beaucoup moins sur Lee Chess. Et plus dans la vraie vie, avec les tournois de la Bresse et de Vendeuvre. Donc c'est pas mauvais signe parce que en vrai je pense avoir bien progressé. Notamment je suis meilleur en tactique. Je suis pas encore super bon, faut pas exagérer. Hein. Mais je m'en sors mieux. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Meilleur en tactique. J'ai eu un bon résultat dans un tournoi rapide aussi, le circuit 54. Wow. Vas-y, tu l'as. Où j'ai fait une performance de 1924. Oh. 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 Alors, j'ai envie d'attaquer la dame avec mon fou maintenant. Merde. La question est, est-ce que j'attaque par là ou par là? Ou alors est-ce que je ne mettrai pas mon fou là? Là, je pense pas parce que... Je peux aussi attaquer Adam avec le pion. Nice. Pour la forcer à aller dans un endroit où elle aurait pas trop envie d'aller. Elle pourrait aller là. J'ai pas très envie qu'elle aille là. Je pense que c'est mieux de sortir le fou là. Parce que c'est forcément un coup utile et c'est un coup qui gagne un temps sur la dame. Et mon coup de pion, il risque pas de capturer la dame ou quoi que ce soit. Donc il affaiblirait ma structure, je trouve. J'aurais voulu faire une partie un peu plus longue, mais j'avais pas d'appariement, alors j'ai accepté le challenge avec un challenge donc avec ce temps là, 8 plus 9. Enfin pas un challenge individuel, c'est dans le lobby de Lee Chess. Ok, donc il va là, un petit peu comme prévu.
Est-ce que si je mets ma tour là, je menace de sacrifier? Sans doute pas. Prends, 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 prends. C'est tentant. C'est vachement tentant. Est-ce que pousser le pion, ça marche mieux? Pousser le pion, il prend. Pas si je mets d'abord ma tour. Donc peut-être que si je mets ma tour en B8, ça menace d'avancer le pion. Faut aussi que je vois ce qui se passe si je viens là ou là. Si je viens là, ça attaque la tour. Il est à peu près obligé de jouer F3. Mais après, je sais pas trop ce que j'ai obtenu. Il faut mieux... Là, je le bloque un peu, parce que s'il bouge son cavalier, je le cloue. S'il le bouge là... J'attaque la tour et probablement je cloue après. Donc il est vraiment coincé avec ses pièces. Et je vois pas en quoi ça m'aide de jouer là. Et si je viens là, pareil. Je joue un peu plus vite. Avec sa dame, il menace rien, donc... toujours pas d'échec. Je pense que le meilleur plan, c'est d'avancer mon pion. Peut-être qu'il devrait avancer le sien d'abord. Mais s'il l'avance, j'ai peut-être même ça. Si j'avance et qu'il avance là, échange. Non. Si j'avance et qu'il avance là, je prends là. Il faut qu'il prenne avec la dame. Après, je voudrais éviter quand même l'échange de dames. Ou alors, au contraire, j'échange les dames et je gagne ce pion. Est-ce que je me laisse de sacrifier alors? Tout à l'heure, je disais que non. Il faudrait que ce soit ma tour qui soit avant ma dame. Ok, donc il joue ça pour essayer de libérer son cavalier. Si je lance mon pion, il peut pas prendre parce que mat. C'est toujours ça de prix. Si je lance mon pion, il va avancer le sien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres bons choix. Après, j'échange, il prend avec la dame. Probablement qu'ensuite j'évite l'échange des dames. Tu peux... Je pense que c'est le meilleur coup, vraiment. Parce que ça, ça. Ça donne rien et j'ai déjà plus de temps. Si ma tour arrive là, j'ai une vague menace, mais il a le temps de l'éviter. C'est pas avec mes deux tours que je vais faire mat. Et s'il fait tout autre coup, bah moi, je suis super content de tout faire péter là. Donc s'il avance, est-ce que vraiment je prends ou est-ce que j'essaye d'être un peu plus fin et de jouer ça? Après, il va encore avancer aussi. Mais s'il avance encore, je joue ça. Ah. Auquel cas, il prend peut-être mon pion. Et je prends le sien. Oh bah, il s'est barré. Je pense pas qu'il va revenir parce que... À mon avis, il est dans la merde déjà. Il a fait un rage quit en 16 coups. Non, il a abandonné. Wow, c'est, il a abandonné en 16 coups. Ok, cool, 1865. On va analyser cette partie. Request computer analysis. Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité sur l'eChess. C'est que quand on fait une erreur,
Learn from your mistakes. Voilà. Il propose. Non, là, c'est lui qui a fait une erreur. Ah non, c'est moi. Donc c'est celle-ci en fait. Mais non, mais quoi? You can do better, try and use a move for black. Ça a l'air un peu buggé alors. Ah non. Ok, c'est moi qui confonds parce qu'on a fait deux. Chacun a eu une erreur à la suite. Mais du point de vue des noirs, j'ai fait une erreur apparemment en jouant fou et 6. Il y avait mieux, d'après l'analyse ordinateur, mais il me dit pas quoi. Donc, comme dans un entraînement, comme dans un puzzle tactique, c'est à moi de chercher quoi. Il m'affiche en rouge ce que j'ai joué, mais j'avais mieux. Moi, je pense que ça était pas mal non plus. J'avais dit que mettre le fou en plus, il pourrait plus me capturer, donc encore moins. Peut-être ça alors. Mais je sais pas très bien pourquoi. Apparemment c'est vachement bien. Non, c'est pas vachement bien. Il était à moins 4 avant. C'est un peu long. Mais c'est pas le bon coup. Moins 4 est vraiment quelque chose que j'ai pas vu. Genre, je gagne une pièce. Bon, si on ce pion là. Ah, comment j'étais trop nul. Il le prend. Pourquoi t'as voté pour moi? Ah, misque. Peut-être qu'après je viens là. Peut-être que ça c'est vachement mieux. Pour l'empêcher de mettre sa dame là en bloqueuse. Et de qui? S'il met mon fou là. Non, je vois pas à quoi ça sert. Ah, c'était ça. C'est malin. Avec l'idée, c'est que s'il me prend... À mon avis, je mets mon fou là. Ouais. Et il est mort. Et s'il prend pas, je suppose que je fais tout péter. Je mets quand même mon fou là. Ouais, ça ouvre encore plus fort que ce que j'ai fait. Next. Donc, tour B8 était un mauvais coup, une erreur. Peut-être qu'avancer le pion tout de suite était mieux. Ou alors c'est le sacrifice de fou. Mais non, c'est sûr que non. Ok. L'avancée du pion était vraiment très très puissante. Alors s'il prend, je mets ma tour. Je viens avec la tour. Merde, je viens avec la tour et après. On peut pas juste bloquer comme ça. Déjà, je peux prendre le pion, je vois ça. Je peux attaquer sa dame avec la tour. Ok. Pas mal. Alors que tour B8 est un tout petit peu plus lent, ça lui permet de se développer un petit peu, de sortir ses pièces. Mais je suis toujours gagnant. Et enfin... Non, c'est fini, là. C'est fini. Do it again, review eight mistakes. Ok, donc en fait, faut pas trop lire ce qu'il raconte avant de... Faut d'abord cliquer là, quoi. Mais au final, donc une imprécision, deux erreurs, zéro gaffe. Et lui, quatre imprécisions, deux erreurs. Bah, c'était une partie courte, mais intéressante. Je suis assez content parce que je m'en suis sorti sur une ouverture qui est pas du tout habituelle.
par exemple sur E4, sur D4, je connais plein de trucs. Sur C4 un petit peu. Mais G3 moins. Alors, j'étais entre C4 et D4. Ah, ça s'appelle l'ouverture hongroise visiblement, mais j'en savais rien. Enfin C5 et D5 je voulais dire. Ok, ben c'est tout pour cette partie. À bientôt, salut.